Salut à tous, et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter un bug sur iOS 7. Donc pas besoin d'avoir jailbreaké son appareil, il fonctionnera. Donc je vais vous le présenter avec mon iPad 2 jailbreaké, donc sous iOS 7. Mon iPhone 4 également jailbreaké sous iOS 7. Mais mon iPad Air n'est pas jailbreaké sous iOS 7. Donc ce bug fonctionne sur iOS 7.0.4. Donc je peux pas vous le présenter sur d'autres versions parce que je ne l'ai pas. J'ai que cette version sur mes produits. Donc voilà. Donc ce bug va vous permettre d'avoir votre fond d'écran qui est ici sur le lock screen. Et ben vous pourrez l'avoir sur l'écran de verrouillage sans passer par photo, etc. En gros, c'est un bug. Donc je vais vous le présenter tout de suite. Donc je vais poser l'appareil, voilà. Donc ce bug est facile à faire et vous inquiétez pas, il va pas abîmer votre appareil. Donc tac, alors c'est facile. Donc là, regardez bien le fond d'écran, voilà. Donc regardez mon fond d'écran qui est aussi là, donc voilà. Donc alors hop, et voilà. Donc c'est très simple. Et vous voyez, et vous pouvez voir que mon fond d'écran, bah, c'est le même qui assure le lock screen. Donc, si on déverrouille et on reverrouille, par contre, il partira. Donc, je le refais. Hop, voilà. Donc, c'est juste qu'il faut avoir le coup de main. Donc, je vais le faire avec l'iPad 2. Hop. Donc, voilà. Donc, voici mon fond d'écran. Donc, le fond d'écran basique d'Apple. Et voici celui sur mon lock screen. Donc je le verrouille. Et regardez. Alors par ici. Pas encore. Donc il faut avoir le coup de main. Et pas encore. Pas de peau. Ah. Ah et pas de peau encore. Tac. Excusez-moi, hein. Bizarrement, quand je filme pas, il fonctionne. Donc, je le refais encore. Donc, vous prenez votre doigt. Vous faites comme si vous allez déverrouiller. Et en fait, vous repartez. Et voilà. Donc, mon fond d'écran a changé. Donc, après plusieurs essais. Et c'est le même qu'il y a sur mon lock screen. Donc, je reverrouille. Et là, vous pouvez voir qu'il n'y est plus. Donc, je le refais. Hop. On y est presque. Donc, avec du mal sur l'iPad 2, bizarrement, j'ai réussi sur le Air. Eh ben, donc pareil, on prend notre doigt pour déverrouiller l'appareil. Et dès que vous allez voir le fondu où les applications vont arriver, vous repartez. Ah, eh ben, donc voilà, donc ça l'a encore fait là. Donc c'est un peu technique à faire en fait, il faut juste avoir le petit coup de main. Donc ça marche aussi sur iPhone, donc sûrement sur iPod. Hein. Donc voici le fond d'écran aussi basique, et voici mon fond d'écran. Voilà, donc je vais le faire. Alors attendez, alors on essaye. Et voilà. Donc, je sais pas pourquoi j'ai pas réussi sur l'iPad 2. Donc, voilà. Donc, je répète comment on fait. Donc, je refais. Hop. Excusez-moi. Et voilà. Donc, je vais l'expliquer sur le R. Donc, je déverrouille. Voilà, comme cela. Donc, vous avez fait glisser pour déverrouiller. Donc, vous prenez votre doigt, vous faites comme si vous alliez déverrouiller, mais avant ce fondu là, donc il y a un petit fondu noir, et ben vous revenez comme cela. Donc je le refais. Donc attendez, j'enlève, voilà, le fond. On prend pareil pour déverrouiller, on déverrouille et tout de suite on revient. Voilà. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo bonus entre guillemets, parce que voilà, c'est toujours marrant de trouver des petits bugs sur Apple.
n'y en a pas souvent, donc autant en profiter. Allez, donc cette petite vidéo est finie et je vous souhaite une bonne soirée et à plus. Salut!